Bonjour, ceci est Carmen et vous regardez une des gestes vidéo hebdomadaires sur le projet Skyway. Pour le quatrième épisode consécutif, nous continuons de travailler à domicile afin que vous receviez régulièrement des informations à jour sur la technologie Skyway. Par conséquent, installez-vous confortablement et regardez les nouvelles sur le projet de la semaine dernière. Regardez dans cet épisode. Uniski String Technology Co. est en train de finaliser le développement des nouveaux systèmes de portes pour le transport Skyway. Sur la chaîne de télévision Biélorussie N, il est sorti un reportage du centre d'essai du transport à courte à Marina Gorka. Dans le back-office, de nouvelles offres d'investissement sont disponibles avec un escompte allant jusqu'à 1/100. Uniski String Technology Co. finalise le développement de portes coulissantes pour le transport Skyway. Le chef du bureau d'analyse fonctionnelle et systémique, Alexey Kakhanovich, a parlé du nouveau système. Selon l'ingénieur, les portes aideront à économiser de l'espace à l'intérieur de la cabine et rendront les voyages sur le transport à courte encore plus sûrs. Pour ce faire, le mécanisme fournit plus de 10 capteurs qui sont capables de détecter les obstacles au mouvement de volets. Par exemple, si une sangle de sac à dos ou une cravate est coincée dans la porte, les capteurs réagissent et ouvrent les portes à temps. Il est prévu d'installer le nouveau mécanisme sur Unibus au lieu de portes coulissantes habituelles. Les essais de prototype commenceront une fois le développement terminé. Sur la principale chaîne de télévision biélorusse, Biélorussie N, l'émission Itinéraire construit a été diffusée avec un reportage du centre de test des technologies à courte Ecotechnopark. Les journalistes ont évalué à la fois trois modes de transport Skyway, ont vu le test d'unibus à 14 places et ont pu monter Unicar sur une structure de trajet légère. Pendant le voyage, les journalistes ont noté le confort de l'habitacle qui est équipé d'un écran d'information, d'un contrôle du climat et d'une caméra de surveillance. Selon la présentatrice, un tel transport est similaire à un vaisseau spatial. Le tournage de l'émission a eu lieu l'été dernier. Aujourd'hui, vous pouvez regarder le reportage complet sur le lien dans la description sous la vidéo. Ces derniers mois, les États et les entreprises privées ont été confrontés à des défis économiques. Pour surmonter la crise, le groupe Skyway a préparé des offres d'investissement Step Up 2021. Maintenant, vous serez en mesure d'investir dans le transport à courte, à tempérament ou à une seule fois avec un escompte allant jusqu'à 1/100. Un tel escompte était disponible pour les investisseurs lorsque le projet n'avait pas encore de réalisation majeure, centre d'essai en Biélorussie et aux Émirats Arabes Unis, sa propre production pour le mi-employé et plus de 10 modèles de transport à court. Aujourd'hui, le projet est prêt à offrir à nouveau un escompte élevé pour ceux qui veulent soutenir le développement stable de Skyway. Vous pourrez profiter des nouvelles offres d'investissement jusqu'au 30 juin. Pour les conditions détaillées de l'offre spéciale, lire le lien dans la description sous la vidéo. C'était toutes les nouvelles de la semaine. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer le prochain épisode. À bientôt!